La fête de la gastronomie revient pour une troisième édition. Cette année, l'olive, ingrédient indispensable de la cuisine provençale, sera la star de la fête. De nombreuses animations gratuites et des démonstrations culinaires seront mises à disposition. Des producteurs locaux seront présents, leurs produits seront vendus et pourront être consommés sur place. Les restaurants du cours d'Estiendorf se joindront à l'événement. Voilà, c'est l'olive, ça reste quand même une des emblèmes de la Provence et donc de Marseille. Et puis l'avantage, c'est que ça peut vraiment se travailler sur, ça soit de la pâtisserie, en passant par de l'alcool, puisque vous allez pouvoir découvrir de l'eau de vie distillée à l'huile d'olive. Voilà, donc pas mal de découvertes et une thématique assez générale qui va permettre d'avoir plusieurs thèmes là-dessus. La pâtisserie Au Fond qui propose des gâteaux à base d'huile d'olive sera également présente à l'événement. Alors on en présentera deux, une que je ne peux pas encore vous dévoiler parce qu'elle est en cours d'élaboration, et la seconde c'est une pâtisserie qui sera donc au croisement de la Provence et de l'Asie, puisque c'est une tartelette qui sera au yuzu et à l'huile d'olive et au poivre de compote. Rendez-vous le 22 septembre pour la fête de la gastronomie sur le cours d'Estiendorf, à deux pas du Vieux-Port de Marseille.